Salut à toutes et à tous, ici Esteban Lacosson, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de notre série sur le mode pro cycliste. Vous allez me dire, oui, mais t'as dit dans le précédent épisode que qu'on était en 2016. Oui, mais non. En fait, il y avait encore des courses. J'avais encore des courses jusqu'au 30 octobre, je me suis remarqué, donc ça sera pas encore la FDJ. Voilà, je suis dans le haut, dans un tour d'Amérique. Il y a Rigoberto Urán, c'est une étape de montagne qui fait 150 km. Allez, c'est parti. Izaguirre et le maillot jaune. Sous la pulsion de la movie star, là. Je cherche Rigoberto Urán. Est-ce qu'on va le voir, là? D'ailleurs, il y a trois l'Etix. Je pense qu'il est parmi ces trois, Rigoberto Urán. Les circuits du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Ouais, on va les gêner. Il y a Anthony de la Place qui est dans l'échappée. Rigoberto Urán est là. Ah, je suis dans le peloton. Ok, on peut pas. Non. Je vais me mettre dans le dos d'Urán. 24 km de l'arrivée. J'allais dire 25. Bon, c'est pas bien grave. Je vais au run. Allez. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Je suis dans le dos de Rigoberto. Allez. Tu fixes Urán, mon petit. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Et là, on tourne à gauche, ça va être parti, là, bientôt. Et il y a encore l'échappée, hein. À 1,36. Urán, c'est lui qu'il faut que je fixe, hein. Sur l'échappée. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Et c'est parti l'ascension. L'ascension est partie là. Allez, on y va. On s'y met, c'est encore un peu de geste, hein. La sélection se perd par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Voilà. Allez, on est dans le dos de Rigoberto Urán.
entre dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Ouran. Je crois qu'il s'écarte et je crois qu'il va y aller. Hein. Oula, un leader est tombé. Non. Espérons que ça n'ait pas d'incidence sur le déroulement de la course. Chut, d'Esteban da Costa, non, 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 non. Ce n'est pas possible. On a une 58, non. Ça se bagarre à l'avant. Ça, franchement, c'est dégoûtant. Hein. Rigoberto Urán qui gagne, mais ça c'est dégueulasse. Ça franchement c'est dégueulasse. Oh là je m'en vais. Regardez, Rigoberto Urán qui s'impose. Tour of Utah. Sinon il y a une autre étape de montagne, mais là... C'est quasiment fait pour Juan. Maintenant les meilleurs moments de la course. Regardez ça. Mais je suis tombé en montée. J'ai vraiment pas de chance. Ce n'est pas possible. Je peux pas tomber. Oui, regardez. Doublé pour les Texas Step. Ah, franchement. Là. C'est d'ailleurs 32e à 10 à 8 minutes 38 de Rigoberto Urán. Je suis 31e à 31 secondes à 10 minutes. Classement des jeunes. Je suis 11e à 7 minutes 34. Alors, prochain épisode, c'est celui-là. Attends, c'est le même? Croisons les doigts. Non, franchement, croisons les doigts. C'est dégueulasse. Donc... Je suis à la FDJ. Voilà. On a acheté qui? Tout ça que je connais pas. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que à la bourra il va? C'est qui? Ah, Ben Gastué. Est-ce que la DJ? De carrière pour qui? Chavanel, 34 ans, alors que son frère il a, si je dis pas de bêtises, 37. Je sais pas, il a Direct Energy. En fait, ceux qui se disent c'est qui la Direct Energy, et ben c'est la team Rockar, mais de toute façon, Direct Energy.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on va se retrouver peut-être tout de suite pour le prochain épisode de notre série sur Procycliste. Allez, bye bye tout le monde, ciao ciao, coucou.